pas? I believe you feel it well tonight, alors, don't you? Alors, ce soir, je voulais commencer, je voulais enseigner un peu sur les démons. Tonight, I wanted to teach a little bit about the demons. Et après, nous allons prier le Seigneur. Then we shall pray the Lord. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. So, let us stand up to read the word of God. Nous allons lire dans les psaumes, chapitre 103. We're reading Psalm chapter 103. Psaume chapitre 103 et nous allons lire à partir du verset 1er. Psalms chapter 103 starting on the first verse. La Bible dit ceci. This is what the Bible says. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. He is the one that forgives all thine iniquities and who heals all thy diseases. Dieu notre Père céleste, God Heavenly Father, nous voulons te dire merci Père, want to tell you thank you that, parce que tu as permis que nous puissions être encore dans ta maison. You allowed us to be in your house again. Oh Dieu, nous nous sommes séparés depuis le lundi passé. Lord, we split up since last Monday. Seigneur, la température ou le climat n'était pas bon, Seigneur, pendant tout ce temps. The weather was inclement all this time. Mais toi, tu nous as protégés en bonne santé. But you have protected us. Et il t'a plu en sorte de nous accorder ces moments, Seigneur. And then you granted us this time, nous voulons vraiment te dire merci du fond de nos cœurs. Thank you from all our hearts. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus. The glory and honor be given to you. À toi et à toi, c'est notre to Père. You and your Father. Et oh Dieu, maintenant que nous sommes ici, as we hear, Lord, nous sommes venus pour écouter ta parole, Seigneur. Your que word, toi Lord. Dieu tu puisses nous enseigner, so teach us, Lord. Que toi Dieu tu puisses nous parler, Seigneur. To us, Lord. Oh Jésus, je te prie de m'écarter du Jesus, chemin. I pray you to put me on the side. Et que tu nous parles, Seigneur. May you speak straight to us, Lord. Prends la prééminence, Seigneur. Take Jésus. The preeminence, Lord Jesus. Que tu prennes le contrôle de cette réunion. Take the control of this meeting. Du début jusqu'à la fin. From beginning to the c'est end. C'est toi le véritable enseignant, Père. You're the true teacher, Lord. C'est toi l'auteur de cette parole que nous venons you're de lire. You're the author of this word we just read. Il n'y a personne qui a été mandaté pour interpréter ta parole. No one was sent to interpret your word. Mais c'est toi seul qui l'interprète de ta parole, Seigneur. May you only that is interpret of this word. Et si descends parmi nous ce soir. Come down among us, Lord. Et parle-nous, Papa. And speak to us for that. Et mets-nous dans les célestes en Jésus-Christ. Bring us in the heavenly place. Et bénis chaque âme qui est présente, oh Dieu. Bless his soul that is here, même ceux qui vont nous suivre à l'internet et partout. À la télévision, Seigneur. On the TV, oh Lord. Quelle onction qui sera ici, Père. May you only that is here. L'onction qui est dans cette salle. You only that is here. Puisse être véhiculée jusqu'à là où il se rend. Au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, puisse-tu commencer avec nous, Père, et terminer avec nous cette réunion. Au nom glorieux et précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. 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 Pouvez-vous asseoir. You may be seated. Je voulais parler un peu sur la démonologie. I want to talk a little bit about the demonology. Et j'ai vu, Frère Branham a dit que il lui fallait avoir 2 jours. And Brother Van say he needed 2 days. Pour parler sur ça. To talk about it. Et moi aussi, je crois qu'il me faut 2 jours. Me too, I guess I need 2 days. Donc aujourd'hui, je parlerai sur la démonologie, domaine physique. Today I'm going to talk about the demonology, physical realm. Et si Dieu nous prête la vie, les dimanches, je vais prêcher sur la démonologie, domaine spirituel. And by God's grace, Sunday I'm going to preach upon demonology, spiritual realm. Amen. Amen.
Et je crois que ça va être une grande bénédiction pour cette église. I believe it's going to be a great blessing for this church. Parce que nous avons atteint un certain niveau où on a besoin d'apprendre d'autres choses. Because we got to some level, we need to learn other things. Amen. Amen. Une église qui peut être devant Dieu pendant 15 jours. One church that can be in front of God for 15 days. C'est une église dont on doit maintenant montrer les techniques comment chasser les démons. We need to show techniques how to cast out the demons. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe? Alors je veux parler sur la démonologie, domaine spirituel, domaine physique. Demonology, physical realm. Et je voulais commencer par expliquer un peu qu'est-ce qu'un démon. I wanted to explain what is a demon. Amen. Amen. Je crois que vous avez bien saisi ce que nous avions parlé les dimanches passés. Believe you understood what we spoke about last Sunday. Sur les seuls lieux d'adoration que Dieu a choisi. Upon the only chosen worship place that God has. Vous avez compris, n'est-ce pas? You understood, didn't you? On a mis ça sur internet. It's on the internet. J'ai fait une émission en français et en anglais. I've made a show in English and French. Sur les seuls lieux d'adoration que Dieu a choisi. Upon the only worship place that God has chosen. Vous pouvez encore aller là-bas sur notre site internet ou sur YouTube, vous allez voir. On our internet, our website, or je crois on que YouTube. Dieu est en train de nous bénir. Hein? Believe God is blessing us. Yes, sir. Nous sommes en train de monter. We're going in our upper level. That's right. Alors, je vais commencer comme le prophète a commencé. I'm start the way the prophet started. C'est exactement tel que je l'avais dit le dimanche passé. Exactly as I said last Sunday. Que Aaron n'avait pas un message. Aaron didn't have a message. Vous êtes avec moi? Praise the Lord, are you with me? Tout ce que Aaron avait à faire, all that Aaron had to do, c'était de répéter fidèlement, was to repeat faithfully, tout ce que Moïse était en train de dire. All that Moses was saying. Oh, Moïse aussi. And Moses as well. Il ne faisait que répéter ce que Dieu lui disait. Was just repeating what God was telling him. Or, dans cet âge de la fin, in this time, nous avons un prophète. We have a prophet qui a reçu de la part de Dieu. He received from God. Ça veut dire que nous n'avons pas un autre message. That means we don't have another message. Si ce n'est que de répéter ce que lui il a dit. But to repeat what he said. Et répéter alors fidèlement. And to repeat it faithfully. Et quand nous répétons ce que lui il a dit. When we repeat what he says. C'est alors que Dieu descendra pour nous bénir. That's where God is going to come down to bless us. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Malgré qu'il y a une erreur qui est entrée. Despite the narrow came. Aujourd'hui on a plusieurs William Branham. Today we have many William Branham. On a plusieurs Moïse. We have many Moses. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous a demandé. That's not what God has asked. Dieu a dit répétez fidèlement. God said repeat faithfully. C'est que le messager de l'âge il a déjà parlé. What the message of the age already spoken. Parce que nous ne vivons pas au temps d'un prédicateur. Because we don't live in the time of a preacher. Mais nous sommes en train de vivre au temps de la voix du septième âge. We're living in the time of the voice of the seventh angel. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? C'est lui qui a la parole. The one who has the word. C'est lui qui a le message. Yes, the message. Et nous sommes là rien que comme des Aaron. We just here like errands. Pour répéter ce que lui il a déjà dit. To repeat what he already said. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Alors ce soir je vais répéter. So tonight I'm going to repeat faithfully. Par la grâce de Dieu. By God's grace. C'est que Dieu a déjà parlé au travers de son prophète. What God already spoke through his prophet. Je vais lire cette prédication. I'm going to read this sermon. Praise the Lord. Vous êtes avec moi? Are you with me? I am. Et au paragraphe 16. Paragraph 16. Frère Branham est en train de dire ceci. Brother Branham is saying this. Maintenant la première chose. Now the first thing. Nous devons savoir qu'est-ce qu'un démon. We need to know. What is a demon? Nous devons apprendre qu'est-ce que c'est un démon. We need to learn what is a demon. Parce que trop de gens parlent seulement d'un démon. Because many people talk just about toi, démon sans effet. You demon with no effect. Toi, démon, tu es sans effet. You demon, you effect. Mais tu dois connaître ce qui est ce démon-là. You need to know who is that demon. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Alors nous voulons un peu apprendre c'est quoi un démon. So let's learn what is a demon. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Un démon. A demon. Un diable. A devil. Tout cela vient du même mot. All that coming from the same word. Et en anglais on dit tormentor. We call it tourmenteur. En anglais c'est un tourment. Un tourmenteur. Yeah. Donc un tourmenteur. A tormentor. Quelqu'un qui tourmente. Somebody tormenting. C'est un démon. That's a demon. Un être mauvais. An evil being.
Vous êtes avec moi? Are you, I am. Quelqu'un qui vous tourmente. Somebody tormenting you. C'est un démon pour toi. That's a demon to you. C'est un être mauvais. That's an evil being. Yes. Quelqu'un qui ne peut pas te laisser tranquille. Somebody cannot leave you alone. À tout moment, il y a des problèmes. All the time, trouble. Tu cherches à éviter cette injustice. Trying to avoid it. Mais il y aura toujours un problème. C'est still gonna be a problem. C'est un démon. That's a demon. That's right. Est-ce que vous comprenez ce que je you dis? Understand what I'm saying? I do. C'est un tourmenteur. That's a tormentor. Et les démons sont des tourmenteurs. And demons are tormentors. Et ils sont là rien que pour nous tourmenter. They are there just to torment us. Le diable ne veut pas te voir marcher à l'aise. The devil doesn't want to see comfortable. Non, il veut que tu sois faible. He wants you to be weak. Il veut que tu aies à tout moment des problèmes. He wants you to be troubled all the time. Il est un tourmenteur. He's a tormentor. That's right. Est-ce que vous comprenez parce que yes. Ce que nous sommes en train de dire? What we say, yes, sir. Le diable ne veut pas te voir en bonne santé. The devil doesn't want to see you healthy. Il veut créer toujours un problème. You want to create a problem. Il veut somewhere. Te donner des maladies quelque part. You want to give you parce qu'il veut que tu sois tourmenté. He wants you to be tormented. Que ton sommeil soit dans les troubles. For your sleep in trouble. Que tu n'aies pas de paix. For you to not have peace. Que tu sois toujours faible. Que, for you to be que tu n'arrives même pas à prier. So you can't even pray. Ça, c'est le diable. That's the devil. Et c'est le démon. That's the demon. Vous avez compris cela? Did you get it? Yes. C'est un démon. That's a demon. Et faut maintenant poser la question. Brother, alors question. Quel est le but de ce démon dans ta vie? What is the purpose of that demon in your life? Come on now. De tourmenter. Is to torment you. Ôter ta vie. Take away your life. De déranger. To bother you. Réduire les jours de ta vie sur la terre. Reduce the day of your life on the earth. Ça c'est le travail de l'ennemi. That's the work of the enemy. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Does somebody understand me? J'avais lu une citation ici. I read a quote here. Dans la prédication, la résurrection de Jésus-Christ. The sermon, the resurrection of Jesus. Et là-bas, frère Bonhomme avait dit que les soucis produisent les cancers. The concerns create cancer. Et le cancer, c'est pour t'ôter la vie. And the cancer, oh my, is to take away your life. Or, les soucis, c'est le travail du diable. And the concern is the work of the devil. C'est le travail des démons. That's the work of a demon. Ils sont là pour te tourmenter. They are there to torment. Alors tu vas commencer à avoir des soucis. You're gonna start having concerns. C'est simplement pour réduire ta vie. It is just to reduce your life. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You understand what I'm saying? Qu'est-ce qu'un démon? What's a demon? C'est un tourmenteur. It's a tormentor. Il va entrer dans ton enfant. He'll get in your child. Il commence à te tourmenter. He starts tormenting you. Tu peux être dans la joie pendant 30 minutes. And be in joy for 30 minutes. Et la minute qui va suivre, the next meeting, tu commences à penser à ça. You start thinking about that. Les soucis reviennent sur toi. They will come back. C'est un démon. That's a demon. That's him. Yes, sir. C'est le diable, mes frères. The devil, brother. Tu peux être dans la prière. He has been praying. Tu es monté dans les niveaux très supérieurs. You have been a very high level. À une seconde seulement. Just one second. Tu vas sentir quelque chose revenir sur toi. Something coming back. Tu commences à penser encore you sur la chose. About the thing. Et l'onction part directement. It goes right away. C'est le diable. That's the devil. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand? Tu es monté dans les niveaux. You are in levels. Et soudainement une question va te revenir. Suddenly a question comes. Oh, souviens-toi de ce que tu avais remember fait. What you did. That's the devil. C'est le diable. C'est le diable. That's the devil. Il est un tourmenteur. He is a tormentor. Il peut entrer dans ton meilleur ami. He can get in your best friend. Je pense que vous comprenez cette leçon. I mean, oh my, wonderful. Surtout le dimanche, vous comprendrez ça très especially bien. Sunday, you can understand parce que là, je parlerai des domaines spirituels. We're going to talk about the spiritual realm. Vous comprenez jusque là? You understand so far? C'est un diable, c'est un démon. That's the devil, it's a demon. Quand il vient dans ta vie, when he comes in your life, c'est simplement pour te tourmenter, maman. It is just to torment you, sister. Tu es là en train de réfléchir. Ah, le banango, je ferai comment avec elle? Je leur ai donné tous les conseils que je pouvais. Je mettais-les entre les mains de leur créateur. Surrender them in the hands of the creator. Mais c'est ça la dernière destination. That's the last destination. Je pense que vous comprenez mes frères. I think you understand my brothers. Je parle de la démonologie. I'm talking about the demonology. Domaine physique. A physical realm. Le diable. The devil. C'est un tourmenteur. He's a tormentor. Frère m'a dit. Brother, what I'm saying. On peut voir quelqu'un qui avait des maladies de tête là, des maladies mentales.
des troubles mentaux. Quelqu'un avec qui avait des troubles mentaux. Somebody with mental trouble. Et après, cette personne va se convertir. And that person is gonna convert himself. Et il devient un chrétien. And he becomes a Christian. Et il passe à la ligne de prière. He goes into prayer line. Pour le baptême du Saint-Esprit. For the baptism of et the Holy il reçoit aussi le Saint-Esprit. And he receives the Holy Spirit right there. Mais il continue d'avoir toujours des troubles mentaux. But he still have a troubled mental trouble. Et vous allez vous poser la question, ça veut dire quoi? Well, that's the question. What's going on? Est-ce que Dieu n'est pas entré en lui? God didn't step inside. Frère Benoît m'a dit, non, but monsieur. No, sir. C'est deux choses différentes. Two different things out right there. Son âme a le Saint-Esprit. His soul has the Holy Spirit. Mais il y a un tourmenteur qui est dans son corps. But there is a tormentor in his body. Vous comprenez? Il y a un tourmenteur qui est dans son corps. A tormentor in his body. Qui est simplement là pour le tourmenter. That is there just to torment him. Parce que la maladie, en fait, because the sickness, ça ne vient pas de Dieu. Does not come from God. C'est pas Dieu qui donne la maladie. Not God giving the sickness. Non, ces démons-là sont dans le travail du Seigneur. Those, hallelujah, they are under the works of the Lord. Parce que lui, il est le maître de tous les esprits. Because he is the master of all the spirits. Et c'est lui qui commande même les démons. He is the one commanding even the demons. That's right. Yes. Je pense que vous me comprenez très bien. I think you understand me so well. Il est le maître de tous les esprits. He's the master of all the spirits. Hallelujah. Et là où il est assis dans son bureau, where he's sitting in his office, il a le contrôle de tous les démons qui existent. He has the control over all the demons that are. Peu importe les démons que tu connais. Doesn't matter the demons that you know. Ils sont entre le maître de notre Dieu. They are in the hands of our God. Celui qui est parti, c'est Job. The one that went to Job. Il n'était pas parti par lui-même. He didn't go by himself. C'est Dieu qui lui avait dit d'aller là-bas. God told him to go there. Dieu lui a donné son assignment. God gave him his assignment. Dieu lui a dit, va le tester. God told him, go test him. Va toucher tout ce que tu veux. Go touch anything mais you want. Ne touchez pas à son âme. Don't you touch his soul. Parce que c'est Dieu seul qui a l'autorité sur sa créature. Because il God a l'autorité sur ton âme. Upon your soul. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Ça veut dire que même si ça arrivait que tu meurs aujourd'hui, il n'y a pas un sorcier qui peut revendiquer cela. No sorcerer can revendiquer. Parce que c'est Dieu seul qui peut laisser que ton âme, only God can let your soul, que la vie sorte de ton corps. For the life to leave your body. C'est la vérité. Je pense que vous comprenez ce que I think nous disons. What I'm, what we're reading. Wonderful. Je veux vraiment être clair pour que vous compreniez. So clear so you can understand. Frère Benoît m'a dit ceci. Au paragraphe 19. Paragraph 19. Toutes maladies, nous devons d'abord constater. All diseases, we gotta constate it first. Que toute maladie est venue du diable. We need to know that all sickness came from the devil. Peu importe la maladie. Doesn't matter the sickness. Oh non, moi je sens les cheveux, ça commence à me faire mal. I start having like hair ache. Ça ne vient pas de ton Dieu. It's not coming from your God. C'est le diable qui a créé ça. It's the devil that has made it. Pourquoi? Pour te tourmenter. Why? To torment you. Pourquoi? Pour t'ôter la vie. Why? To take your life away. Vous comprenez, non? Do you understand? Un petit yes. problème qui arrive. A little problem coming. Tu te fâches. You get angry. C'est un démon. That's a demon. That's right. Quel est son objectif? What is his purpose? Tu peux avoir le cancer. So you can get cancer. Parce que Frère Benoît m'a dit que la colère amène le cancer. Because brother will say anger brings cancer. Quelqu'un comprend ça? Somebody understand? Wonderful. Un démon, c'est un tourmenteur. A demon is a tormentor. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. God is not the author of the sickness. Aucune maladie ne vient de Dieu. No sickness is coming from God. Mais parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie. But sometimes God allows the devil to bring upon you sickness. Pourquoi, Seigneur? Why, Lord? Comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. As a whip to bring you back to the house of God. Quand vous avez désobéi. When you have disobeyed. Il arrive des fois que tu as désobéi. Sometimes you have disobeyed.
Et toi-même, tu ne sais pas peut-être que tu as désobéi. Yourself, you don't even know that you have disobeyed. Alors, il faut qu'il y ait une tour de contrôle. So it takes a time of control. Il faut qu'il y ait un signal. It il faut qu'il y ait une alarme. It takes an alarm to be there. Pour te dire qu'attention ici, to tell you, tu as désobéi. You have disobeyed. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? What he will come. Parce qu'il n'est pas l'auteur de la because maladie. He's not the author of the sickness. Il va appeler le diable. He's going to call on the devil. Va là-bas. Go there. Donne-lui un peu de maux de tête. Give him some headache. Alors là, il sera alarmé. There is gonna be alert. Il va revenir chez son père. He'll come back to his father. Pour dire, papa, mais comment j'ai des maux de tête? How come I have headache? Alors sa conscience va travailler. Then his conscience is gonna work. Il me demandera pardon. He's gonna ask me for forgiveness. That's the truth. Vous comprenez le plan de Dieu? You understand God's plan? Yes, sir. Yes, sir. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Isn't it wonderful? So wonderful. C'est comme un fouet pour vous ramener à la maison. It's like a whip to bring you back home. Quand vous avez désobéi. When you have disobeyed. Mais la maladie au départ. But the sickness to begin with. Elle est venue du diable. It came from the devil. Pouvez-vous vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Somebody believing that God, our heavenly Father, is the author of sickness and death. Est-ce que vous vous imaginez de ça? Can you imagine that? Non, Dieu il est trois fois saint. God is three times holy. Dieu, il n'est pas l'auteur de la maladie. God is not the author of the sickness. Non, il y a quelqu'un qui a fait la maladie. Somebody has made the sickness. L'auteur de la maladie, c'est the le diable. The sickness is the devil. Et qui est le diable? Who is the devil? C'est un tourmenteur. He is a tormentor. Il est là simplement pour nous tourmenter. He's just there to torment us. Mais on doit apprendre comment les chasser. We need to learn how to cast him out. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? I am. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Do you love the Lord Jesus Christ? Moi, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, frère. I love him with all my heart, brothers. Je l'aime, je l'aimerai encore. I love, I'm going to love him more. Combien n'étaient pas là le lundi? How many were not there here on Wednesday? C'est mon papa Jérôme, hein? Maman Nadine. Ah, allez voir à l'internet, hein? Go ici on the internet. Vous avez déjà vu, hein? You've seen it already. Notre Dieu, il est grave. Our God, he's serious, that's right. He is wonderful. Il est merveilleux. Il est simplement merveilleux. Just wonderful. J'aimerais que vous acclamiez très fort pour lui. I want you to put your hands together. My. Amen. Vous êtes avec moi. Are you with me? Alors, maintenant, avançons un peu. Oh, let's step forth a little bit. Parlons un peu de la création de l'homme. Let us talk about the man's creation. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Étudions un peu le corps humain. Let's study the human body. Vous savez, la Bible dit ceci. You know the Bible says this. C'est dans Genèse au chapitre 1, verset 26. In Genesis chapter 1, verse 26. Que Dieu avait créé l'homme à son image. That God created the man at his image. Et à sa ressemblance. And at his likeness. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Ça veut dire que l'homme, il avait été créé. That means the man was created. Frère Benoît dit, il avait été créé avant la fondation du monde. Brother Ram said, he was created before the world foundation. Dans la pensée de Dieu. In God's thought. Vous êtes avec moi? Are you with me? Et dans la pensée de Dieu. And in God's thought. Tout ce qui avait existé dans la pensée de Dieu. All that was in God's thought. Ça veut dire que ça avait déjà existé. That means it was already. C'est pourquoi Fabien dit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. That's why Brother said the lamb was slain before the world foundation. Parce que Dieu avait déjà pensé à ça. Because God already thought about it. Dieu avait déjà trouvé la solution. God already pour found la solution. Rédemption de son peuple. For his people redemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? I am. Toujours dans sa pensée éternelle. Still in his eternal thought. Il t'avait vu. He saw you, that's il right. T'avait choisi. He chose you. Il t'avait prédestiné. He predestinated. Il t'avait déjà aimé. He already loved tout ça, c'est avant la fondation du monde. All that before the foundation. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Alors qu'est-ce que le prophète nous a dit? What does the prophet say? Il a dit que vos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Your soul were made before the foundation. Quand c'est la femme en homme, c'est quand Dieu a créé l'homme à son image. It's when God created the man at his image. C'était déjà dans la pensée de was Dieu the que l'homme avait été créé. That the man was created.
Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? You understand what I'm saying? Yes. Mais quand Dieu avait créé l'homme, but when God created the man, c'était seulement un homme esprit. That was just a man's spirit. Et il était à la fois homme et il était femme. He was man and woman at the same time. Je pense que vous comprenez cela. You understand that? Yes. Et c'était ça l'homme qui était créé à l'image de Dieu. That was the man that was created at God's image. Et après Dieu a créé tout ce que nous voyons. God created everything that we see. Et après avoir créé toutes les choses, and after creating everything, il a vu qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. He saw there's no one to work on the field. Alors Dieu maintenant va fabriquer à partir de la poussière. Then God is going to make from the dust. Il va fabriquer un corps. He's going to make a body. Et il a soufflé à l'intérieur. And he breathed inside. Et il a pris l'esprit, l'homme qu'il avait déjà créé là. And he took the spirit, the man that he created. Qui était toujours un homme esprit. That was still a spirit. Il l'a placé dans ce corps. Put it in that body. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, yes. Et cet homme-là a été appelé Adam. And that man was called Adam. Mais Adam avait existé avant la création de ce corps. Adam was before the ce corps là n'était que l'ensemble de poussière. That body was just a que Dieu avait pris, il a mis ça ensemble that... et il a soufflé à l'intérieur. And he breathed inside. Et Adam était plus vieux que ce corps-là. Adam was older than that body. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Ça veut dire que toi, tu es plus vieux que ton corps. That means you're older than your body. Tu avais été créé avant la fondation du monde. Comment on me dit que nous sommes des créatures éternelles? Now I'm saying we are eternal. Quand creatures. Dieu créait la terre, when God was creating nous étions en lui. We were in him. Et nous étions tu es en train de pousser les cris de joie. Shouting, shout of joy. Et nous disons que tout était bien. Yes, it is fine. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you c'est nous qui crions là. We were shouting. That's right. Nous sommes des créatures de l'éternité. We are a creature of eternity. Nous venons de l'éternité. We're coming from eternity. That's et right. Nous retournons de l'éternité. And we're going back there. Notre origine. Our origin. C'est notre destination. It's our destination. Et nous sommes maintenant dans le temps. We are in the time. Simplement pour manifester la gloire de Dieu. Just to manifest God's glory. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen à ça? Somebody say amen. Mais nous avons amen. Été créés avant le diable. We are created before the devil. Je suis plus ancien que le diable. I am older than the devil. Je suis plus ancien. Je suis plus ancien que le problème. Je suis plus ancien que les soucis. J'ai été créé avant toutes les choses. Et Frère Branham a dit que j'étais en Dieu avant la fondation du monde. Quand il plaçait les fondements de la terre, I was in him. J'étais en lui. Quand il était en train de pousser des cris là-bas, when he was shouting there, j'étais en lui. I was in him. Quand il est monté sur la croix, when he went up on the cross, j'étais en lui. I was in him. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you quand il est parti dans le séjour de mort, when he went ahead, j'étais toujours en lui. I was still in him. Quand il est ressuscité, when he rose, j'étais toujours en lui. I was still in him. Et maintenant, and now, je suis manifesté. I am manifested. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe? Mais je me sens bien. I'm feeling well, yes, sir. L'homme, the man, en réalité, in reality, il était un esprit. Was a spirit. Il était un homme esprit. He was a spirit. C'était ça l'homme à la ressemblance de Dieu. That was the man at God's likeness. Vous êtes avec moi? Are you with me? Mais parce qu'il fallait que quelqu'un soit là. Because somebody was pour there. Pour nommer les lions. To name the lion. Pour nommer la forêt. To name the forest. Pour nommer les arbres. To name the trees. Alors Dieu va créer un homme. God will create a man. Il va créer la chair. He's gonna create the flesh. Il a formé la chair. He made the flesh. Il a fait une forme là. He made a et il a soufflé à l'intérieur. And he breathed in there. Et c'est devenu un homme. And he became a man. Il a pris l'esprit d'Adam. The spirit of Adam. Il l'a mis à l'intérieur. Put it in there. Jusque là vous dites amen. So far you say amen. I do say amen. Alors Frère Branham a dit. So problem saying. Ça nous avons compris. That we got it. Maintenant il y a une autre chose. Now there's something else. C'est qu'à un moment donné. Sometime, nous avons pris la forme de germe. We took the form of a germ. Dans notre arrière-grand-père. In our forefather. Vous comprenez cela? You understand that? Nous avons pris la forme d'un germe, d'une germe. Yeah, we took the form of a germ. Une petite chose là. Something little. Où? Where? Dans l'arrière-grand-père. In the great grandfather. Et le prophète dit ça ici. Prophet says it here. Que cette germe là. That germ. Est partie de cet arrière grand-père. Went from that grand-père. To another grandfather. À un autre grand-père. Another grandfather. Et dans notre père. And in our father. Et dans notre mère. And in our mother. Et enfin nous sommes sortis. And then we came out. That's right. Yes, sir. That's right. Quelqu'un peut-il dire amen à ça? Can somebody say amen to that? Oh, je me sens bien. Hallelujah. Praise the Lord. Je me sens très bien. Feeling so well.
Donc l'homme, so the man, il est composé de cellules. He's made of cells. Je parle de la chair. They're by the flesh. Parce que le véritable homme, c'est l'intérieur. So the true man is inside. Si vous me comprenez, vous dites amen à ça. If you are saying amen to that, I do say amen. Donc le véritable homme, c'est l'intérieur. So the true man is inside. Mais ce corps que nous voyons, but this body that we see, comment ça a été formé? How is it made? Frère Nama dit maintenant, au paragraphe 44. Paragraph 44. Si chacune des cellules de votre corps, if each cell of your body, analysons cela maintenant. Let's analyze it right now. Vous avez été formé. You were made. Cellule sur cellule. Cell over another cell. Cellule sur cellule. Cell over another cell. Et si on décomposait cela ici sur l'estrade, and should we decompose it up on the floor? Votre corps. Your body. Une cellule après l'autre. One cell after the other. Vous en arriveriez à un germe minuscule. You will get to a very small germ. D'où vous avez commencé, invisible à l'œil nu. From where you started, invisible with a bare eye. Donc le début de votre corps a été invisible à l'œil nu. The beginning of your body. C'est un petit germe de rien du tout. It's a little germ, nothing. Si votre corps l'a été décomposé ce soir. If your body was decomposed tonight. Cellule après cellule. Cell after cell. Cellule après cellule. Cell after cell. On va te retrouver un petit germe. They're gonna find a little germ. Je pense que vous avez compris. Un germe minuscule. A very small germ. Et il faut le regarder sous un verre grossissant. We need to look it under sur le microscope. Yeah. Sur le myopie là. On doit regarder, mais où est Gédéon? We need to look. Donc voilà Gédéon, ça moi c'est lui, moi germe mon comme quel est que tu es? Gideon is a very small cell. Vous comprenez qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. We cannot see it with ça a... ressemble à un fil minuscule. It's like a very small thread. Un fil très minuscule. Very, very small thread. Et qu'est-ce qui est formé en premier? What is made first? C'est la colonne vertébrale. It's the backbone. C'est comme un petit nœud. It's like a small knot. C'est la première petite cellule qui s'ajoute à une autre cellule. That's the first little cell up on the, adding on the other cell. Vous êtes dans l'anatomie ici. You are in the anatomy. Ça c'est l'université de Dieu. This is God's university. Qu'est-ce qui a formé le premier? What is made first? C'est la colonne vertébrale. Is your backbone. Et après il y a des cellules qui viennent s'ajouter. And there are cells that are coming to add on that. Mais s'il faudrait qu'on vous décompose ce soir, decompose you tonight, vous allez être un petit germe très minuscule. It'll be a very small, un fil très fin là. Very small thread qu'on peut même pas voir à l'œil nu. That cannot be seen with a bare eye. Il faut le microscope pour voir. Take the microscope to see. Maintenant, now, si je devais prendre cette petite cellule unique, if I was to take that little unique cell, dont vous êtes tous venus, that all of you have come, une from, cellule très minuscule, a very small cell, un germe, a germ. Alors le prophète pose la question. The prophet asked the question. Qu'est-ce qu'est un germe? What is a germ? Come on now. Ça c'est le prophète qui parle. The prophet talking. Le véritable docteur. The true doctor. Go ahead. Qu'est-ce qu'est un germe? What is a germ? Un germe c'est une cellule minuscule. A germ is a little cell. La plus petite de toutes. The smallest of all. C'est ça ce qu'on appelle un germe. That's what we call a germ. C'est une cellule, la plus petite cellule de toutes les petites, de toutes les cellules. Cell of all the cells. Et qu'est-ce qui vient après? What's coming after? Je vous ai disséqué cela. I have made it a plan for you. De tous vos éléments. From all your elements. Jusqu'à cette petite cellule là. Until you get to that small cell. Et je ne vous ai pas encore trouvé. And I haven't found you yet. Tout ce que j'ai. All that I have. Ce sont vos cellules étalées là. Are yourself spread over there? Mais vous n'êtes pas là. But you're not even there. Mais maintenant, où êtes-vous? But now tell me where you at. Frère m'a dit votre vie. But I'm saying your life. La vie forme la première cellule. The life makes the first cell. Hallelujah. Votre vie. Your life, praise the Lord. C'est celle qui forme la première cellule. That the one making the first cell. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Alors, then, cette cellule-là, that cell, c'est un germe. It's a germ. Et ensuite, and then, tout selon sa nature. All according to its nature.
Donc le germe, c'est la cellule la plus petite. So the germ is the smallest cell. C'est ça la vie. That's the life. D'abord, c'est ça la chose qui est formée. That's the thing that is made first. C'est cette vie là. That life. Cette petite cellule qui est un germe. That small cell that is a germ. Et après cela, and after that, ça dépendra de la nature de la chose qui doit être. It's going to be up to the nature of the thing that's going to be. Est-ce que vous comprenez? You understand? Si, Fabonam dit, Proverbs say, le chien selon son espèce. The dog according to his species. L'oiseau selon son espèce. The bird according to his species. L'homme selon son espèce. The man according to his species. Les cellules se développent cellule sur cellule. The cell develops cell upon cell. Maintenant, après la création de la première cellule qui est le germe, after the creation of the first cell, les cellules vont venir s'interposer. The cell will go come on the top of it. Pour former la chose selon ta nature. To make the thing according to your nature. Si c'est un chien, alors les cellules vont s'augmenter pour if fabriquer dog, un chien. The cell are gonna add up to make a si c'est un homme, if it's a man, les cellules là vont se diriger vers la création d'un homme. The cell will go toward the creation of a si man. C'est un oiseau, if it's a bird, alors ça va former un oiseau. It's gonna make a bird, that's right. Vous remarquez la grandeur de Dieu? Do you see God's greatness? Amazing. Amazing. Vous remarquez que c'est lui vraiment, vraiment le créateur. This is the real creator. Et il connaît exactement ce qu'il a fait. He knows exactly what he's done. Est-ce que vous êtes avec moi? Fabonam a dit ça par cellule sur cellule. Well, cell upon cell. Pour aboutir à ce que vous êtes. To end up to what you are. À un être humain. To a human being. C'est par ces cellules qui, vous, qui se développent. That are getting developed. Oh! But c'est Dieu qui a établi que ça devait être ainsi. It's God, hallelujah, that established for that to be this way. Ce n'est pas le calcul d'un homme. It's not a man's calculation. Ça, c'est Dieu qui l'a établi. Well, it's God that has made it this way. C'est ça la création de l'homme. That's oui, je voulais dire quoi? C'est ça la création de Dieu. It is God's creation. C'est comme ça que Dieu commence. That's the way God starts. Une petite cellule. A little cell. Qui est un germe. That is a germ. Après, ça se développe. Donc, then c'est ça la vie. That's the life. Et après, il y a la and les cellules qui viennent s'interposer the là-dessus, are coming to add on the, on that, ça forme une colonne vertébrale. That makes a backbone. Vous êtes avec moi? I am, yes, sir. Vous avez compris ça? Go ahead. Oh, yes, did you get Mama it? Mama, vous comprenez, hein? Mama, Mita, are you following me? I want to make sure that you are with me on that. Cellule up, sur cellule, sur cellule. Cell on the top of a cell, up on the top of another cell. Alors ça fabrique Moutoumoussous. Then it makes somebody else. Un chien, il est chien. A dog, that's a dog. Un oiseau, oiseau. Bird is a bird. Un homme, a man is a man. Vous comprenez? Do you understand? C'est Dieu qui le fait. It is God doing it. Et il y a personne qui est là pour le conseiller. No one is there to advise. Il continue alors. Hallelujah. Fabonam dit, mais maintenant, qu'est-ce que le cancer? Hallelujah. Proverbs say, what is the cancer? Parlons un peu du cancer. Let's talk about the cancer. Oh, Dieu vous a donné votre vie. God has given you your life. Et voici aujourd'hui, and build today, vous pouvez être en bonne santé. You can be healthy. Et demain peut-être, and maybe tomorrow, vous voyez le cancer sous votre main. You see the cancer on your hand. Alors d'où vient le cancer? Where is the cancer coming? Qu'est-ce que le cancer? Where is the cancer? Vous me demandez, parlons un peu du cancer. Well, let's talk about the cancer. Hallelujah. Praise the Lord. Il a dit, comment est-ce que le cancer est venu là? Said, how did the cancer come? Voyons qu'est-ce que le cancer maintenant. Let's see what is the cancer. Dissecons-le. Let's cut it in peace. Prenons son cas à lui. Let's take its case. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you listening? Oh, lui aussi. Him too. C'est un tas de cellules. It's a bunch of cells. Le saviez-vous? Did you know that? Le saviez-vous? Did you know that? Si vous ne saviez pas, c'est maintenant que vous le savez. If you didn't know it, now you know it. Il est juste un tas de cellules. It's just a bunch of cells. Une tumeur. A tumor. Une cataracte. A cataract. Toutes ces choses-là. All those things. Ce sont des cellules. Are just cells. Elles n'ont pas de forme définie. They don't have defined shapes. Certains s'étendent. Some go. Et certains se rassemblent à une araignée. And some gather like a spider. Et certains ressemblent. Bo, 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 bo. And some other are doing. Il y a des cancers rouges. They are red cancers. C'est semblable à des longs fils rouges. Like longer red ropes, threads. Qui passent en travers.
going through. Et puis il y a un cancer rose. And then there is a pink cancer. Qui s'installe habituellement sur le sein d'une femme. That is being installed on a woman breast. Ça ressemble à des crêpes superposées. It looks like those paddles that are make on the those top. Those crêpes, papa. Et ensuite ça va s'étendre. And then it's gonna spread. Et il se développe partout. And they develop everywhere. Vous êtes là? Are you there? Parfois les tumeurs sont de forme asymétrique. Sometimes tumors are asymmetric shapes. Where does he get that? Il a tangaté un primérien. He didn't go to school. Et c'est un primérien qui nous expliquer ça. Can somebody from elementary school explain that? Mais ça c'est grave. That's serious. Come on now. Il a dit parfois les tumeurs sont de forme asymétrique. Sometimes the tumor have a symmetric shape. Comme ceci allongé. Like this one on the left. Oblong. Oblong on peut éviter sur les années lingala. This shape. Oblong. Elles n'ont pas de forme définie. They don't have a defined shape. Parce qu'elles procèdent d'un esprit qui n'a pas de forme. Oh my! Because they're coming from a spirit which is shapeless. Qu'est-ce qui crée le cancer? What has created the cancer? C'est un esprit. That's a spirit. Quel est cet esprit-là? What's a spirit? C'est un démon. That's a demon. Quelle est la forme de cet esprit-là? What the shape of sans spirit? Forme. Shapeless. My. My. Vous avez compris? Did you get it? My. Ça, nous l'avons dé. Comment on l'a disséqué là? We put it in pieces. Ah, ça, nous sommes en train d'entrer dans l'air fond, oh, dans l'air. Comment on peut dire ça? Donc, ton cotitoyer qu'on a bango. We're really studying the. L'air étude approfondie. A deep study. Qu'est-ce que le cancer? What's the cancer? C'est un démon. It's a demon. Un démon qui n'a pas de forme. A shapeless demon. Come on now. Un démon qui n'a pas de forme. A demon that is shapeless. Aïe. Mais ce sont des cellules qui se développent. There are cells that are getting developed. C'est un tas de cellules. It's a bunch of cells. Et disons qu'en ce moment, and let's say at a time, il y aurait une tumeur ou un cancer. There's going to be a tumor or a cancer. Ce sont des cellules qui se développent. There are cells getting developed. Qui prennent de l'extension. They take extension. Elles prennent de l'extension. And they take extension somewhere. Elles vous rongent. They eat you up. Elles sont en train de vous saper votre vie. They destroy your life. Elles se nourrissent de votre sang. They are being fed by your blood. Vous comprenez? You understand? C'est un démon qui se nourrit de ton sang. That's a demon that is being fed by your blood. Le cancer. The cancer. C'est un nom propre qui a été donné par le médecin. It's a nice name that was given by a doctor. Mais son nom d'origine. But it's a name of origin. C'est un démon, frère. That's a demon, brother. That's right. That's right. Hallelujah. Le mot de tête. Headache. C'est juste une explication qu'on donne. Just an explanation they get. Mais son nom de sa création. But the name of the creation. C'est un démon. That's a demon. My. C'est un démon. That's a demon. Oh non, pasteur, moi je ne me sens pas bien. C'est pastor, un démon qui vient s'installer à toi. I'm not feeling well. It's a demon coming in you. C'est un démon. That's a demon. Et il vient là simplement pour te tourmenter. Just to come to torment you. Pasteur, je le quiste. Oh, pastor, I got c'est you. Un démon. That's a demon. Appelez le chat par son nom. Call the cat by his name. Faut dire, pasteur, c'est pasteur. Il y a un démon qui commence à me tourmenter ici là. There's a demon starting tormenting me here. C'est un démon. That's a demon. Mot de maladie au dos. C'est un démon. That's a demon. That's right. Maladie au cou. C'est un démon. That's a demon. Cataracte. Mais on venait de le chasser ici. Cast him out here. C'est un démon. That's a demon. My. Praise the Lord. Ce sont des démons, frères. These are demons, brothers. Et avec comme objectif, and the purpose, c'est de vous tuer. Is to kill you. C'est cancer et autres, paragraphe 76. Cancer and other programs. Ce sont des démons, frères. They are demons, brothers. Absolument. Absolutely. Ce sont des démons. They are demons. Qui prennent forme dans un corps de chair. Taking shape in a body of flesh. Et qui font leur chemin. And they make the ways. Ils vous ôtent la vie. They take your life away.
Quand quelqu'un est atteint du cancer, when somebody has cancer, il commence déjà à pleurer parce qu'il sait qu'il va partir. He starts crying because he knows he's on his way out. C'est un démon qui est là. That's a demon there. Quand tu es diagnostiqué seulement avec le cancer, ça va attaquer ton cœur directement. It will go to your ça attaque heart ta right tête. That goes to your head right. Dit que je vais mourir. That means I'm on oh, way. C'est un démon. That's a demon now. On peut chasser tout autant qu'on chasse les maux de tête. Then cast him out the way we cast out the headache. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais moi, je l'ai chassé trois fois ici. J'ai prié pour trois cas de cancer. Dans cette salle, frère. Et Dieu a guéri. God healed. Praise the Lord. Le cancer, c'est un démon. The cancer is a demon. C'est un démon. That's a demon. C'est un démon, frère. That's a demon, brother. Oh, si on peut très bien expliquer ça encore. If you can explain it so je ne fais que répéter ce que le prophète dit. Repeat only what the prophet said. Wonderful. Il dit que le cancer c'est un démon. So the cancer is a demon, brother. C'est un démon. It's a demon. Tout ce qu'on a à faire. All that we have to do. On n'a même pas discuté avec lui. We don't even argue or bargain with him. Il a dit parlons encore un peu du cancer. Say, let's talk about the cancer again. Parlons de lui pendant les prochaines 5 minutes. Let's talk about him for the next 5 minutes. Ça c'est le prophète. That's the prophet. Parlons du cancer. Let's talk about the cancer. Qu'est-ce qu'il est lui? What is he? Him. As a nanny. What is he? Cancer est une nanny. A cancer. What are you? Qu'est-ce qu'il représente? What does he mean? Il est un charognard. Oh. He's a dead party eater. Il représente les vautours. He represents the vultures. Il mange des choses mortes. He eats dead things. Et la plupart du temps, most of the time, un cancer provient d'une meurtrissure. A cancer is coming from a bruise. Une cellule qui aurait reçu un coup. A cell that has received a hit. Et qui se dissocie avec les autres. And that is splitting from the other one. Il y a une petite cellule là qui rétrograde. There is another little cell there that backslides. C'est un gros mot. That's a big word. Pour un baptiste, n'est-ce pas? For a Baptist, it is it. Très bien, mais elle est une rétrograde. But that's a backslider. Cette cellule là. That cell. Oh my, preacher now. Je suis un baptiste qui croit à ça. I'm a Baptist believing that. Rétrogradé. Backsliding. Quand un membre de l'église. When a member of the church. Qui est une cellule. That is a cell. Dans cette église. In this church. Quand il se détache avec les autres cellules. When it's split up with the other cells. C'est là que le cancer va entrer. That's where the cancer will step in. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Quand les cellules sont toutes ensemble. When the cells are all together. Quand il y a l'unité parmi les cellules. When there is a unity among quand the cells. Le sang traverse partout dans les cellules. When the blood goes all the cells. Cet démon appelé cancer. That demon called cancer. Il n'aura pas de porte pour entrer. Cannot have a gate to get in. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand? Quand toutes les cellules sont unies, all the cells are united. Il y a l'amour invisible. The visible love. Il n'y a pas d'hypocrisie. There's no hypocrisy. Il y a seulement l'amour. Only love. Il y a seulement la paix. Only peace. Il y a seulement la joie. Only joy. Pas la joie seulement par hypocrisie. Not joy by hypocrisy. Mais la véritable joie. But the true joy. Le cancer n'entrera pas. The cancer will not get in. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Mais quand le diable te dissocie when avec les hommes, split you with the other one. Quand le diable te when the devil separates you with the other, c'est alors que tu deviens vulnérable. That's when you become vulnerable. C'est là que maintenant le cancer va entrer. That's when the cancer will come in. Qu'est-ce que le cancer? What's the cancer? C'est un démon qui est sans forme. It's a shapeless demon. Il va commencer à te parler de Gédéon. He'll start telling you about Il parle de Becky. About il parle de Ruth. About Ruth. Il va jusqu'à chez Alice. He goes to Alice. Parce qu'il est un démon sans forme. Because it's a shapeless demon. Il t'amènera des problèmes sans forme. He'll bring you shapeless. Ni tête ni queue. Oh, no head, no. Mais c'est un démon. That's a demon. That's right. C'est un démon. That's a demon. On hôtel avait dit ça. That's il n'a pas fini là-bas. Oh, Irène aussi no, m'a dit. Non, pas Irène. Hey. C'est un démon. That's a demon. Un démon qui n'a pas de forme. A shapeless demon. C'est un cancer. That's a cancer. C'est la tumeur. That's a tumor. Hallelujah. C'est la cataracte. That's a cataract. Vous avez compris ça? Did you get it? Quand tu vois quelqu'un venir critiquer chez toi, dis-toi qu'il est un agent du diable.
Tell yourself that is an agent of the devil. Il veut simplement que ce démon-là puisse prendre de l'extension. Just want that demon to take some extension. Parce que Frère Branham a dit que ça prend de l'extension, de l'extension. Extension. Ça va quitter chez Raoul, ça part chez Marc, ça part là-bas, ça part là-bas. C'est un démon, frère. C'est démon. C'est la vérité. Non, moi je pensais que quand tu avais porté le fil là, rouge là, tu voulais me dire que tu étais prêt pour le combat. Est-ce que je t'avais dit ça? Did I say that? Si ce n'est pas sorti de ma bouche, c'est le diable qui te parle. The devil talking to you. Assemblée chrétienne de Charlotte. Somebody needs to get to the maturity. Quelqu'un doit arriver à la maturité. Quelqu'un doit atteindre la maturité. Il y a certaines choses Something. Qui ne peuvent plus jamais être entendues ici dans cette église. Une église du réveil. Les critiques ne peuvent plus être là. L'hypocrisie ne peut plus être là. Parce there. Que c'est un moment où chacun doit être en contact avec Dieu. Tu n'as pas besoin qu'un homme vienne te former sur quelque chose. C'est Dieu maintenant qui doit te former sur les choses. God, 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 tell you something. Amen, amen. Vous êtes avec moi. C'est Dieu qui doit te parler. Only God got to talk c'est to you. Toi qui dois, c'est Dieu qui doit te parler. God got to talk to exactement you. Comme chez Marie. Exactly with Mary. Marie, Mary. Regarde ta cousine Elisabeth. Elisabeth. Elle aussi, elle est dans son sixième mois. She's in the sixth month. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le cancer, quand ça entre dans un corps, si la personne n'a pas la foi, c'est la mort qui va suivre. C'est la mort qui va suivre, frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le cancer entre dans l'église, ça va tuer le réveil. That will kill the revival. Yes, sir. Ça va tuer l'onction. That will kill the anointing. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons veiller sur ça. We need to watch veillons sur nos vies. Let's watch over que our ta life. Vie ne soit pas portée d'un cancer. Let your life not be in the cancer. Parce que ta vie peut influencer quelqu'un d'autre. Your life can influence somebody else. Alors que si tu as le cancer dans ta while vie, you have the cancer in your life, tu vas endommager toute l'église. You get damage the entire church. Oh my. Est-ce que je dis la vérité? Yes, sir, I'm telling you the truth. Je dis la vérité. Je ne vous dis que rien que la vérité. Just telling you the truth. Le cancer, the cancer, c'est un mauvais type. It's an evil type. Un très mauvais type. An evil fellow. Il tue sans pitié. He kills merciless. On va couper les seins. They're gonna cut the breast. Oh, il s'est comme un abanalipé. He's already at the shoulder. On enlève toute la main. So remove the entire. Oh, il était dans le ventre. Oh, he's in the womb. Mais c'est ça le cancer. C'est un démon qui est sans forme. That's a shapeless demon. Il cherche à entrer par-ci et par-là. Tries to get this way. Je parle à toi. I'm talking to you. Yes. Évite que ta vie n'ait pas du cancer. Avoid your life to not have cancer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Évitez ça. Avoid. Yes, soyez sir. Vraiment chrétien au vrai sens du mot. Be a real Christian. Yes, sir. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez chrétien au vrai sens du mot. Be a real Christian. Ne témoignez pas plus que ce que tu vis. Don't testify more than what you live. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Are you with me, church? Je parle de la démonologie. As well as the demonology. Que toi, tu ne sois pas porteur d'un cancer dans cette église. Don't be the carrier of the cancer in this Le church. Le cancer tue l'unité. The cancer kills the unity. Tue l'amour. That kills the love. Tue la communion fraternelle. Kills the brotherly fellowship. Tu viens ici, tu parles pas avec Raoul. Raoul n'arrive plus à parler avec Gédéon. C'est un démon qui est entré. That's a demon. Oh my! A demon. C'est un démon qui est entré. That's a demon that came in. Est-ce que vous comprenez de ce que je veux dire? Quand moi je parle avec Rachel, Rachel doit encore aimer quelqu'un encore beaucoup. To love somebody more. Oh my, wonderful! Rachel doit beaucoup aimer quelqu'un. Rachel, love somebody more. Quand je parle de Becky à Rachel, Rachel dira en tout cas j'ai besoin de la voir. Rachel said I need to see her. That's the truth. Vous comprenez? You're... Ça c'est un chrétien. That's a Christian. Yes, sir. Un chrétien yes, n'est pas un agent pour aller diviser les gens. A Christian is not an agent to go divide people. Assemblée chrétienne de Charlotte. We are assembly of Charlotte. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. On a eu suffisamment de gens porteurs de cancer dans cette église. Cancer bearing this church. Gloire à Dieu. Glory to parce God. Que cette église n'appartient pas à un homme. Elle appartient à Rabbi Shimon. Belongs to God of what? Lui, le docteur des docteurs. The doctor of doctors. Le docteur Jésus il est descendu. Il a enlevé complètement la clé cancer. He removed the cancer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous ne voulons plus que ça revienne. We don't want that to come back.
Ne parle pas de l'autre dans son absence. Don't talk about somebody else when he's not there. Si cette chose, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un en face. You cannot say somebody in the face. Don't say it at all. Ne le dis même pas. Mais c'est ça la parole. Ah, que je reviens de ma prédication. Let me come back to si my. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Amen, amen. Le cancer, amen. C'est un démon. The cancer is a demon. Un démon qui n'a pas de forme. A shapeless demon. C'est la même chose avec la cataracte. That's the same thing with the cataract. C'est un démon. That's a demon. Même chose avec la tuberculose. Same thing with tuberculosis. Qui entre dans les poumons. Gets in the lungs. C'est un démon. That's a demon. Ça va embêter ta respiration. It will bother your respiration. Ça va t'embêter complètement. That will bother you completely. Comme la diabète, c'est un démon. Like the diabetes, that's a demon. Toute maladie que vous connaissez. All sickness that you know. C'est un démon. That's a demon. C'est un démon. That's a demon. Cette maladie qui a fait porter le frère Gédéon la glace ici. That brought brother Gideon. Mais c'est un démon. That's a demon. Est-ce que Dieu a créé un homme pour porter les lunettes? God created a man to put on glasses. Mais no. Non. No. No. Les glaucomes, si c'est glaucome là. The glaucome, whatever. Glaucoma. Yeah. Mais c'est un démon. That's a demon. Épilepsie. Epilepsy, my. Frère Madame dit. Hein? Brother Ram says. Ça, je vais lire ça. This, I have to read it. Paragraph 69. Paragraph 69. Épilepsie. Epilepsy. C'est comme ça qu'ils appellent ça aujourd'hui. That's the way they call it today. Ils disent épilepsie. They call it epilepsy. Mais l'épilepsie dans la Bible. But the epilepsy in the Bible. Jésus a appelé ça un démon. Jesus called it a demon. Quand cet homme s'est présenté là, when that man came, avec les garçons qui tombaient par the terre, falling et qui avaient l'écume aux lèvres et tout. And yet saliva on the lips and stuff. Jésus a dit, hein, Jesus said, il a un démon. He has a demon. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Maintenant, now, ils lui ont donné un nom raffiné. They gave him a fine name. Et on appelle ça épilepsie. We call it epilepsy. 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 Un nom raffiné là. A fine comme name. Si on faisait sortir ce nom là du frigo. Like you brought it out of the refrigerator. Epilepsy. 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 That's not a problem. It's just epilepsy. Just l'épilepsie. It's not a problem. That's a devil right there. Mais c'est un démon ce problème là. And you are Shamgar. You need to kick him out. Vous êtes Shamgar. Vous devez le faire sortir. Vous êtes avec moi? Are you with me? Oh yes. Oui. Yes, we are. We have that commission, brother. Nous avons cette commission, frère. Maintenant, ils lui ont donné un nom raffiné. They gave him a fine name. Et l'on appelle épilepsie. They call it epilepsy. Mais c'est un démon. But that's a demon. Et Jésus a dit. Jesus said. Démon. Demon. Sors de cet enfant. Leave this child. Exactement. Exactly. Ce démon est parti. That demon left. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe? L'épilepsie, c'est un démon. The epilepsy is a demon. Tension artérielle, c'est un démon. High blood pressure is a demon. Stérilité, c'est un démon. Barrenness is a demon. Yes, sir. Ce sont des démons qui viennent s'installer dans quelqu'un. That demon's coming in somebody. That's the truth. Ce sont des démons. These are demons. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. I say amen. Alors, maintenant, voyons notre dernière partie. Now, look at the last part. Comment on va guérir la maladie? How will the sickness be healed? Parce qu'on doit, on doit la guérir. Because we have to heal it. Il faut qu'il y ait la cure pour le cancer. There must be a cure for the cancer. Mais voyons maintenant qu'est-ce que le prophète de l'âge a dit. Let's see what the prophet of the age said. C'est au paragraphe 71. Verse 71. Il a dit que maintenant tous ces démons là, he said now all these demons, ils ont un devoir à remplir. They have a duty to fill. C'est de vous ôter la vie. Is to take your life away. C'est pour ça que le diable l'a envoyé. That's why the devil sent him. Pour abréger vos jours. To cut short your days. À moins de 70 ans. For less than 70 years old. Vous avez déjà appris que quelqu'un avait seulement les maux de tête? You heard that somebody with just headache. Il est parti dormir pour ne plus se réveiller. Went to sleep to not wake up that way. Yes sir. Yes sir. Yeah. Oh, quelqu'un marchait, il est tombé, somebody seulement walking, il est parti. He just fell and he was gone. C'est ça le travail du diable. That's the work of the devil.
pour abréger tes jours, pour te ôter la vie. To take away your life. Abraham dit ceci. Bon. Abraham said this. Well. Je tire mon chapeau à tous les médecins. I remove my hat to all the doctors. Oui, monsieur. Yes, sir. Tous ceux de la médecine. All those of the medicine. Que Dieu les bénisse. May God bless you. Pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens. For the help they brought to the people. C'est tout à fait juste. That's perfectly right. Qu'est-ce que vous feriez sans elles? What would you do without it? Dans le monde d'aujourd'hui. In today's world. Je remercie Dieu pour la médecine. I thank God for the medicine. Je remercie Dieu pour mon automobile. I thank God for my automotive. Si je n'avais pas. If I didn't have. Permis, si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, to make an automobile for me, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici. I would have had hard time to work until this. Je remercie Dieu pour la lumière électrique. I thank God for the electric light. Même pour les savons que j'utilise. Even for the soap I'm using. Pour me laver les mains. To wash my hands. Même pour les dentifrices que j'utilise. Even for the toothpaste. Pour me brosser les dents. To brush my teeth. Certainement. Certainly. Je les remercie pour tout. I thank you for all. Parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Because all good things are coming from God. Est-ce que toi tu as déjà remercié Dieu même pour les dentifrices? And we thank God for the toothpaste. Si tu ne l'as jamais fait à partir de ce soir, commencez à le faire. Start doing it. Remerciez-le même pour le savon. Thank him even for the soap. Même pour les babouches que tu as. Even for the sleeper you même have. Même pour l'air que tu es en train de respirer. Even for the air you're breathing. Pour la nourriture que tu as. For the food that you have. Pour toutes les choses que Dieu t'a données. Everything that God has given you. Tu lui dois le remerciement. You ought to thank him. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que toutes les bonnes choses ne viennent que de Dieu. Because all good things are coming from. La Bible dit que toutes les choses que l'homme a, all that the man has, c'est ce que le ciel lui donne. It's what the heaven gives him. Yes, sir. Tu n'auras pas ni plus ni moins. You won't have anything else. Qu'est-ce que le ciel te donne? But what the heaven gives you. Yes. Alors si le ciel ne te donne pas, so if heaven doesn't give, ne te tue pas pour rien. Don't kill yourself. Ne jalouse pas l'autre. Don't be jealous, envy somebody else. Toi compte sur ton Dieu. Count on your God. Parce que ce que l'autre a, but what the other one has, il n'a pas fait la magie pour ça. He made magic for that. C'est le ciel qui lui a donné. It's heaven that gave it to him. That's the truth. Est-ce que vous êtes avec moi? I use it. Mais le courage que toi tu as, the courage that you have, c'est le ciel qui t'a donné. It's heaven that gave it to you. Il y a des choses que toi tu affrontes, things that you face, que moi je ne saurais pas affronter. I won't be able to face. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette capacité. It's God that gave you that capacity. Parce que les bonnes choses, because good deeds, ne viennent que du ciel. Come only from heaven. Ne viennent que de Dieu. They come only from God. Donne-lui un peu des acclamations. Give him applause. Alors le prophète dit au paragraphe 73. Prophète, c'est paragraphe 53. Mais je voulais vous dire ceci. I wanted to tell you this. Il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri aucune maladie. There is no medicine that ever cured a sickness. Et pas même un seul médecin. Not even one doctor. À moins que ça soit un charlatan. Unless he's a charlatan. Mais un vrai médecin vous dira. But a true medicine will tell you. Qu'il ne prétende pas être des guérisseurs. They don't pretend to be healer. Le médecin ne guérit pas. The doctors don't heal. Il y a une seule personne qui peut dire. Only one person can. Le remove that coffee. Le docteur Jésus. Doctor Jesus. Un seul. Only one. Un seul. Only one. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Remarquez. Notice. Tout homme qui déclare qu'il est un guérisseur. Any man declares that. Il vous raconte les salades. He's just telling you lies. Parce qu'il ne peut pas guérir. Because he cannot heal. En effet, la Bible dit. Never the Bible c'est ce qu'on avait lu. That's what we read. Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. I am the Lord that forgives all your sins. Et qui guérit toutes tes maladies. And that heals all your diseases. C'est seulement l'Éternel qui guérit. Only the Lord that heals. Demandez au docteur Moïse. Ask the doctor Moses. Toi avec 2 millions de personnes. 2 million people. Comment est-ce que tu as survécu le désert? How did you survive in the je desert? Je suis l'Éternel. I am the Lord. Qui te guérit de toutes tes maladies. That heals you from all your diseases. Reprenons ma dire. Dans ce voyage, il y a des femmes qui accouchaient. Demandez au docteur Moïse, qu'est-ce que tu faisais pour ces cas-là? Je suis l'Éternel qui t'a guéri. Il y avait même des sourds-muets. Comment est-ce qu'ils étaient guéris? Je suis l'Éternel qui t'a guéri de toutes tes maladies. Est-ce que vous croyez à ça? Il y a un seul docteur. Demandez à Bé
cabaroutes. Just to be Gabriel. Il te dira qu'il y a un seul docteur. The only one doctor. Qui peut guérir les cancers. That can heal the cancer. Qui peut guérir la tuberculose. Can heal the tuberculosis. Qui peut guérir le sida. That can heal the qui peut ramener la vie à quelqu'un. Qui peut guérir même la cécité. That can heal even the cécité. C'est le docteur Jésus. That's Dr. Jesus. Yes. C'est lui Jéhovah Rapha. L'éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Peu importe ta maladie. No, le pancréas. The pancreas. Le sucre. The sugar. Il est parfaitement capable de guérir cette maladie. To heal that sickness. Le sida. Oh, hey. La tuberculose. Tuberculosis. Tout ce que tu as. Anything that you have. Les asthmes. Asthma. Les allergies. Allergies. Il est parfaitement capable d'enlever cela. To remove that. En moins d'une seconde. Il est parfaitement capable d'enlever ça. La stérilité, Penis. Les maladies du dos, maladies de cou, les jambes qui gonflent. Oh, il y a un seul docteur qui peut enlever ça de ton corps. La maladie de tension, les tensions artérielles, la cécité, blindness. La glucose, les glucose, la je ne sais pas ça. C'est un démon. Jésus-Christ est parfaitement capable d'enlever ces maladies. To remove the sickness, je me sens bien. I'm feeling well. No sickness. Il n'y a aucune maladie. So it's no sickness. Qui peut dépasser notre Dieu? Ah, that can be better than God. Aucune. Oh no. Elle est allée à l'hôpital. She went to the hospital. Le médecin a regardé. Doctor looked. Ils ont dit que sa matrice est froide. The mattress is cold. Ne peut pas concevoir. She cannot conceive. Et nous sommes venus chez le docteur des docteurs. We came to doctor of doctors. Il a dit que le problème avec sa matrice. Said the issue with the womb. C'est que c'est la matrice des petits enfants. That the womb of a little child. Change ça maintenant. Change it right now. Elle va concevoir. She will conceive. J'ai dit oh Dieu. I said oh God. Je n'ai pas dit prier. I didn't suppose. J'ai dit change ça. He said change it. J'ai dit parce que Dieu me l'a dit. Because God told me. Je change la matrice. I change the womb. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Puis avant la matrice des adultes. Receive the womb of an adult. Dieu m'a dit je l'ai fait. God told me I've done. Regarde maintenant comment ça grossit. Look at the way the pregnancy is. 6 mois à partir d'aujourd'hui. 6 months from today. Elle sera à l'hôpital. Oh my, she's gonna be there. Avec comme menace d'avortement. With threat of abortion. Mais je serai là. I'll be there. Wabushima. God of wonder. Le docteur des docteurs. My doctor. Arrivé à la dernière seconde. Dieu a dit Ngiambe. Cette affaire, moi je n'entre pas. C'est toi qui avais fermé son col. C'est à toi maintenant. Ouvre ça toi-même. Tu as fermé ça très fort. On ne ferme pas ça comme ça. Ngiambe, dis seulement un mot. Je dis à Dieu. Parce que tu m'as demandé de l'aider. Cette semaine, ça ne passera pas. This week won't go. Ce bébé sortira. This baby will come. Le lundi, Monday. Les cols, la cause s'est ouverte. Oh, the call was 1 centimètre. Le mardi, Tuesday. La cause s'est ouverte. Le soir du mardi, elle est allée à l'hôpital. Le bébé est venu au monde. The baby came, was it? Donnez à notre Dieu des acclamations. Yes, God, applaudings. My. Amazing. Oh, my. Hallelujah. Je parle du docteur des docteurs. Oh my, I'm talking of doctors. Oh, praise the Lord. Je parle de Wabushima. Talking about God of wonders. Il m'a dit ce que tombolinga na tomboli. He told me if you lift me out, I lift you up. Alors ce soir vous devez m'aider. Today. Amenez les tracteurs, frère. To bring the tractor. Aidez-moi. Let's lift him up. Qu'on lui donne la place qu'il a besoin. Give him the place that he deserves. Il veut occuper la première place. You want to take the first place. Il est prêt. Let him take it. C'est lui le docteur des docteurs. He's the doctor of doctors. Il est plus que tous les spécialistes. More than all the specialists. C'est lui le spécialiste de tous les cas possibles. Le docteur Jésus. Doctor Jesus. Le Dieu de William Branham. God of William Branham. Le Dieu de Becca. God of PK. Le Dieu de Lee. God of Elijah. Le Dieu de Moïse. God of Moses. Il était l'ensemble de tous les prophètes. Plus la divinité. Bless the deity. Donnez-lui des acclamations. Praise the Lord. Praise my King. Oh my. Praise my King. Praise my King. Oh my, acclamez-le très fort. Put your hands together. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My. Je me sens très bien. I'm feeling so well. Lui, il est incomparable. He's incomparable. Le puissant conquérant. The mighty conqueror. Le seul puissant conquérant. Oh, the only mighty conqueror. Il n'y a pas deux frères. There's no one. Il y a des conquérants. They are conquerors. Mais le puissant. But the mighty one. Il est l'unique. Only one. L'unique à yes! son sein. Yes!
only one, le seul frère, the only one, qui a laissé son corps sur la croix. And I left the body on et the... il est parti là-bas dans les séjours de mort. Il est allé voir notre ennemi. He went to see our enemy. Il n'a rien dit. He didn't say well. D'abord les clés. The key first. D'abord les clés. The keys first. D'abord les clés. The keys now. On va causer après les clés. We'll talk after the keys. D'abord les clés. The keys first. Il a récupéré la clé. Took back the key. Pourquoi est-ce qu'il a récupéré when cette clé? Take it back? C'est pour que toi tu sois complètement guéri. So he can be completely... Ce soir dans cette salle. Oh, tonight, si tu as une maladie. If you have a sickness, sache que le médecin ne te guérira pas. The doctor will... La médecine ne te guérira pas. Je t'ai amené une prescription ce soir. Il a dit dans Marc 16, nous imposerons le nom malade. Les malades seront complètement guéris. Nous chasserons les démons. Et les démons partiront. And the demons will leave. Oh my. Est-ce que vous, si vous croyez comme ça? Do you believe this way? C'est les dernières paroles que Dieu nous a données. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Quand Jérôme aura les maladies dans les ses yeux, tu me prieras. Cet démon partira. Quand Nadine ne sera pas à mesure de concevoir, tu diras un seul mot. Elle va concevoir. Quand Espérance aura les problèmes d'asthme, tu prieras pour elle. Elle sera complètement guérie. Est-ce que vous êtes avec moi? Le puissant conquérant. Oh, the mighty conqueror. He is the mighty conqueror. Il est le puissant conquérant. Praise my King. Le seul, the only one, qui a laissé la tombe ouverte. I left an empty tomb. Le seul, the only one, qui a dit j'ai le pouvoir. That I have the power. De donner ma vie. To give my et life. De la reprendre. Take it back. Frère m'a dit. Il faut qu'il y ait un courageux. Il faut qu'il y ait un homme courageux. Il faut qu'il y ait un courageux. It takes the courage. Qui peut dire ce que lui avait dit. Say what he said. Or après lui. And after him. Même si on a dit il y a un Dieu de balle. Même si on a dit il y a un Dieu là-bas. Oh, il y a un Dieu de soleil. Oh, the God of the sun. Oh, il y a Bouddha. Oh, Bouddha. Oh, il y a Mahomet. Mahomet. Il y a aucun d'eux. None of them. Aucun d'eux, monsieur. None of them, sir. Qui a osé dire la même chose. That they're saying the same thing. Que mon Dieu. Oh, then my God. Praise the Lord. Je suis fier de mon Dieu. I'm proud of my God. Dis à ton problème là. Oh, tell me your problem. Est-ce que toi aussi tu peux dire comme mon Dieu? Que tu as le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. And take it back. Si tu ne peux pas dire ça, if you cannot say that, moi j'ai l'autorité. I got the authority. J'ai la permission. I got the authorization. De la part de celui qui a le pouvoir. Of the one that has the power. Il m'a dit de te mettre under my feet. He told me to put you sous mes pieds. Le mari capable groom. Le puissant conquérant. Mighty conqueror. Qui peut s'égaler à lui? Who can be like him? Qui peut se comparer à lui? Who can be compared to him? Une sœur avait le cancer dans cette église. My sister had the cancer. Qui sortait dans sa partie intime. Coming out of the elle m'a dit, pasteur, priez seulement. Just pray. C'est quelque chose que je ne saurais pas expliquer. Something I cannot explain. J'ai dit, Wabishima, you are God. I say, God of wonder, just you. Take it out, Father. I lève le père. Guéris-la complètement. Heal her completely. Hallelujah. Praise the Lord. Et la sœur est venue. The sister elle est allée voir mon épouse. She went to see my m'a dit, ça c'est un témoignage de she bouche à l'oreille. That the testimony from mouth to ear. Cette histoire-là est partie. That thing is gone. Si le cancer peut obéir, if the cancer can obey, quel est ce démon qui peut désobéir? Which demon can disobey? Il n'y a pas longtemps dans cette salle, j'ai prié pour une sœur qui avait le cancer des seins. I pray for a sister that elle avait la tumeur. She had the tumor. La tumeur est partie. The tumor is gone. Yes, sir. Praise the Lord. Vous croyez à ça? You believe? Yes, je crois. Mais il est parfaitement capable. He's perfectly able. Le Dieu de Béka. God of Béka. Bah, il est le bon frère. He's hero. My hero. Il est le puissant vainqueur. By the mighty conqueror. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? The mighty conqueror. Oh, le puissant conqueror. L'incomparable frère. Incomparable. Je dis bien l'incomparable. I'm saying incomparable. Ayez le Dieu comme vous voulez. Aime the God mais ne want. Comparez pas vos aventuriers de don't Dieu you compare avec mon Dieu. Your moi. God is my God. Non. No. Branham est dans la tombe. Branham is in the tomb. Bouddha dans la tombe. Buddha in the tomb. Allah dans la tombe. Allah in the tomb. Mais allez-y en Israël. Go to Israel. J'étais là. Oh, je me suis étalé là où on avait mis Jésus. Where they put Jesus? Le corps de Jésus n'est pas là. Body of Jesus is not there. Même pas les habits. Not even the clothes. Le tombeau est vide. Oh my, the tomb is empty. Et pendant que je parle de lui, what I'm talking about is right here. Il est ici. Yes, yes, yes. That's I know it. Yeah, je le sais.
Je crois de ça. Je crois de tout mon cœur. I believe it's all my heart. Il doit être là. He ought to be there. Il est en train de faire des opérations maintenant. He's making operations. Vous lâchez un peu cette démon là. Just a little. Cette démon de tout est là. That demon of doubt. Sois bon homme dit dans une citation. Pendant que je parle. What I'm preaching. Prends ton démon de doute. Put him under your feet. Mets-le sous tes pieds. Prends les démons de l'incrédulité. Put him under your feet. Mets-le sous tes pieds. Dis-lui que maintenant tout est possible. Right now, it's possible. Maintenant que Wabi Shima est là, je crois de tout mon cœur que ma maladie doit partir. The sickness ought to leave. Ne sortez pas avec ça. Don't live with that. Ne sortez pas avec cette carie dentaire. Don't you live with that. Ne sortez pas avec ce mal de tête. With that headache. Remettez ça à l'expéditeur. Give it back to the sender. C'est un démon. That's a demon. Un démon ne joue pas avec lui. Don't you play with the demon. Un démon ne fait pas de compromis avec lui. Well, don't make any compromise with the demon. Un démon le chasse. A demon, you cast him out. On ne demande pas son autorisation. Don't ask him his authorization. Est-ce que cataracte, tu veux partir? Do you want to go? Bon, si tu ne veux pas, tu peux même rester là. If you don't, you can't even stay. Non. No, no. C'est pas ce que Dieu nous a dit. That's not what God told us. Dieu m'a dit, hein. God told me. Je dirai aux cataractes, cataractes. I say you can't. Sort. Out. Sort. Out. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Fabien m'a dit. Brother Bob said. C'est comme quand vous rentrez chez vous. It's like when you go home. Dans votre maison. In your house. Vous trouvez les gens à l'intérieur. Find people. Alléluia. Ils sont en train de faire la fête. Oh là. My. Ils sont en train de manger. Come on now, say it. Vous arrivez là-bas. You get there. Come on, man. What? What you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? This is my house. Ça c'est ma maison. Get out. Dehors. Tu n'as même pas lui demandé. You don't even have to ask. Get out. Dehors. Et le prophète dit que s'il résiste, prophet, say if he vous resist, appellerez la police. Oh, you will call on the police. My. Alléluia. Que policier venez. You say police, come on now. Come on to help me out. Oh, viens m'aider. Pour faire chasser ces gens ici. Cast out this man. Baba Nama dit c'est la Baba même chose avec vous les chrétiens. The same thing with you, the Christian. Dieu t'a donné la capacité. God gave il you t'a the donné l'autorité. The authority. Quand tu arrives, when you get him, tu vois même ton fils être menacé par les diables. The big man by the... Ne doutez même pas. Don't even doubt. Diable. C'est devil. Out. Dehors. Sors. Out. Le prophète dit s'il résiste, if he resist, nous aussi, oui, il y avait law enforcement. Ah, nous avons les officiers de police. Et notre officier de police, c'est le Saint-Esprit. Ah, law enforcement is the Holy Spirit. Faut maintenant dire appelez. Alléluia! Alléluia! 911! Oh, call 911! Appelez! Heavenly 911! Oh, le 911 du ciel! Je suis menacé! I am threatened! Envoie-moi les renforts! Send down the reinforcements! Ça viendra, frère! That will come! Yes, yes! Yes. Ça viendra. That will come. Comment? How come? Je parle des choses que nous vivons dans cette église. That we live in the church. Ce sont des réalités que nous vivons. That reality is that ça, c'est notre vie. That's our life. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Tout ce qui vous dérange là, c'est un tourmentaire. It's a tormentor. Ce tourmentaire là, c'est le diable. That tormentor is the devil. C'est un démon. That's a demon. Chassez-le. Cast him out. Chassez-le. Cast him out. Et il partira. And he will go. Frère Nama dit. Brother said. It takes faith. Il faut la foi. Vous devez avoir la foi. You have to have faith. Frère Nama dit même moi comme je suis là. Even me, avec tous ces dons de guérison que j'ai. Je peux prier pour vous toute la nuit jusqu'à le matin. Until morning. If you don't have faith. Si tu n'as pas la foi. Nothing gonna happen. Rien n'arrivera. C'est la vérité. Et dans cette prédication, j'ai dit dans cette prédication. Frère Nama dit que même la les dons de guérison, even the healing, c'est en vous. It's in you. C'est la vérité. C'est en vous. It's in you. Yes, yes. It's in you. Man, je dois lire ça. I ought to read it. Eh bien, il s'est produit la même chose quand un démon a été chassé des malades. The same thing is happening when a demon was cast out of. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Oh, I'm feeling so well. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus then malade que je n'ai jamais été. I am more. J'ai perdu ma guérison. Before, I lost my healing. Aussi sûr que la foi. Interest, the faith. Vous en a débarrassé. You get rid of it. L'incrédulité va tout de suite les ramener. The unbelief will bring him right back. Autant la foi les tue, as much as the faith kills him, autant l'incrédulité les ressuscite. As much as the unbelief rises him back. Jésus a dit lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, Jesus said, when an unclean spirit left il a man, va dans des lieux arides, it goes in the wilderness. Puis il retourne là-bas avec sept autres démons. Then he comes back
Et si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et l'homme bon de votre maison, c'est votre foi. My. Et vous devez dire, you have to say, tiens-toi loin de moi. Stay away from me. Le prophète dit, c'est ça. The prophet said, that's it. Une seule prière te suffit. Just one prayer is enough. Yes, sir. Yes. Ça te suffit. Is that enough? Vous rentrez, dites au diable, tiens-toi éloigné. Loin. J'ai dit loin. I'm saying, stay away. Stay away. Tiens-toi éloigné. Et surtout pour vous de cette église. Especially for you, allez dire à ton problème, stay away from me. Tiens-toi loin de moi. Stay away. Tiens-toi loin. Parce que si nous apprenons de ton problème là, we hear your problem, nous allons le lapider une semaine. We're gonna stone it 1 week here. Vous êtes avec moi? Are you with me? Enfin, en fait, ici on ne joue pas. Here we don't. That's right. Oh my. Ici nous sommes dans les laboratoires de Dieu. Here we are in the laboratory of God. On ne joue pas. We don't play. No, no. On nous dit que oh non, la prière a la force. Oh, the prayer is the strength. Essayons ça. Okay, let's try it out. Essayons pour voir si vraiment la prière a la force. Let's try if really the prayer is the strength. Et nous l'avons essayé. And we tried it. Come my, try. My, venez essayer. Venez essayer. Come on and try. Il y a des commandos dans cette salle. There are commandos in this room. Des commandos qui savent prier. Commandos knowing how to pray. Yeah. Alléluia. Praise the Lord. Je suis fier de vous, église. Proud of you, church. Acclamez très fort pour vous-même. Put your hands together for yourselves. Jésus est fier de vous. Jesus is proud of you. Jésus est fier de votre courage. Jesus is proud of your courage. Vous êtes parfaitement capable. You are perfectly able. De renverser la loi de la nature. Bring down the law of the nature. Et créer vos lois à vous. And create your law. Qui a dit qu'en Amérique les gens ne prient pas? Who said in America people? We are in America. Nous sommes en Amérique. Mais seulement we are Shamgars. The only thing, nous sommes des Shamgars. Nous sommes déterminés. We are determined. Quand je regarde mon frère, when I look at my son people, problème ne termine pas. Problem is not ma sœur, or my sister, son problème ne termine the pas. Problem doesn't finish. 15 jours. 15 days. Come on now. Mettons les occupations à part. Let's put the business aside. Venons dans la prière. Let's come to prayer. Venons prier. Let's come to pray. Dieu le fera. God will do it. Do you believe it? Est-ce que vous croyez? Frère, je dors là-dessus, frère. I sleep up on that. Aussi sûr qu'il y a un jour et il y a une nuit. Aussi sûr que Dieu répondra à chaque prière qui lui avait été adressée. Prayer that was given him. Gardez simplement votre foi. Just put your faith. Que rien ne puisse vous déboussoler. Let nothing bother vous you. Vous êtes dans les bons. You're in the good way. Le diable viendra te dire, ah, ton problème est terminé. Mais lui, tiens-toi éloigné. Loin de moi. Stay away from me. Mais tu dois parler avec lui. You need to talk with him. C'est la vérité. C'est un démon qui te parle. A demon talking to you. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Yes. Quelques minutes avant que je vienne ici, je disais aujourd'hui, je vais aller paper les démons. Je vais aller montrer aux enfants de Dieu qui sont les démons. Alors, je vais très bien les appeler. Je vais apprendre aux enfants de Dieu comment on va les attaquer. Comme ça, ils n'auront plus peur des maladies. Quand je m'habillais, c'est comme si quelqu'un me parlait dans ma tête. Toi, tu ne vois pas que toi, tu prêches toujours les histoires chaudes. C'est comme ça que toi, tu dois faire. Quand tu commences à toucher dans ces histoires-là comme des enseignements, ça va détruire ton ministère. J'ai dit exactement ça, c'est le diable qui me parle. Parce qu'il ne veut pas que je puisse les détruire. Alors, je vais les détruire très bien. Je vais le détruire. Sir, I'm gonna destroy him. Vous êtes avec moi? I am. Oh non, j'ai des combattants. No, tu n'as pas de combattants. Ce sont les démons qui sont venus sur toi. Les Philistins sont sur toi. Lève ton chambard. Prenez tout ce que tu as en train de faire. Allez-y les taper sur leur tête. Go beat them on the head. Yes, yes. Parce que mon enfant a des fièvres. C'est à toi de chasser ces démons-là. Just to cast out the c'est un démon. That's a demon. Parce que mon fils a des maux de tête. Quel mot de tête? Dis que parce qu'il y a un diable qui dérange dans tes démons. Chassez-les d'abord. The head of my son. Cast him out first. Marc 16, c'est pour tout le monde. Mark 16 is for everybody. C'est pour toute l'église. For the entire church. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? C'est pour tout le monde. For everybody. Chacun de vous. Each one of you. Qui est baptisé du Saint-Esprit. That is baptized with the Holy Spirit. Il est capable. Tenez-les. Aide-la.
Il est capable de chasser les démons. He's able to cast out the demons. Il est capable de dire au diable. He's able to tell the devil. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Vous lui ouvrez très bien les portes. You open the door so well. Diable. Devil. Branham l'a fait. Branham did it. Yes, yes, yes. Il partait là, les diables l'ont embrouillé, les diables l'ont embrouillé. Il a arrêté la voiture. He stopped the car. Comme si quelqu'un qui voulait aller acheter quelque chose. Like somebody want to go by. Il est descendu. He got up. Il a ouvert la porte. He opened the door. Devil. Diable. Get out. Sors. Je ne veux pas continuer avec toi. I don't want to. You get out. I don't want to continue. Je dis sors. Mais si Branham l'a fait, if Branham did it, lui qui est notre modèle dans cette terre, mais je dois le faire. How to do it? Yes. Yes. Je dois le faire. How to do it? Vous marchez dans la voiture, vous voyez qu'il y a une mauvaise tension dans la voiture. Moi, dans l'obiboué, papa, l'obiboué. Maman, l'obiboué, il dit, parquez un peu la voiture. Park the car. Descendez un peu. Get off the car. Dis au diable, devant. Diable. Get out. Sors. Get out. Sors. Je pense que vous avez compris. I mean, if you understand. Vous avez compris ma leçon de ce soir. Did you understand my, vous avez compris la fonctionnement du diable. Did you understand the functioning of the devil? Le diable, il est mauvais. The devil is evil. C'est un démon sans forme. He's a shapeless demon. Faut bien m'a dit, j'ai vu des démons avec mes propres yeux. I've seen demons with my own eyes. Et je les ai vus plusieurs fois. I saw them many times. Il a dit, quand vous voyez les démons de la dépression, so il est comme quelque chose sans forme, mais il est poilé. He's like something with no shape, he's with hair. He's so hairy. Ma poil. Hair. Il a dit, d'autres démons, quand vous les regardez comme demons, ça, you look at them, vous ne saurez même pas regarder deux fois. Be able to look twice. C'est grave. That's serious. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, when I read it today, c'est dans une autre prédication de la démonologie. On a prêché ça quatre fois. Preach it like four times. La démonologie là. Demonology. Et l'autre là que j'ai lu. The other one that I read. Alors quand j'ai lu ça, when I read it, j'ai des chairs de poule. J'ai dit gloire à Dieu, Dieu nous épargne de ne pas voir ça. Parce que s'il fallait que je voie les démons de la sorcellerie, demons of witchcraft, il sera comment? How is he gonna be? Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Are you happy tonight? Croyez en Jésus Christ. Believe in Jesus Christ. Il n'y a aucune maladie, no sickness, qui peut rentrer dans votre corps. That can go in your body. Et la foi. Every faith. Dis à ce démon-là, tu dois partir. You better go. Je n'ai pas de contrat avec toi. I don't have any contract with you. Tu dois partir. You better go. Le cancer, c'est un démon. The cancer is a demon. L'épilepsie, c'est un démon. Epilepsy is the demon. Mal à l'oreille. C'est un démon. Mal au nœud. C'est un démon. Sinus problem is a demon. Quand vous les chassez, de toi, démon, je t'ordonne. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Sors de ce corps. Leave this body. Il vous obéira. He will obey. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. 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 Les vaillants héros. Amen of valleys. Les Shamgar. Shamgar. Ce soir vous allez vous lever. Tonight you gotta stay. Avec tout ce que tu as entre tes mains. All that you have in your hands. Allez pour chasser les Philistins. Hold down the Philistines. Même s'ils sont combien. Even those are many. Pour chasser les frères. Hold them down. Mais ta maman a mis tout. Beat them on the head. Frère m'a dit, beat them on the head. Baba m'a tapez sur la tête. Mets ta bangon ami tout frère. Beat them on the heads, brothers. Et vous allez vaincre. And you will overcome. Ne regardez pas à vous. Don't look at yourself. Parce que vous ne serez pas de vous-même. You won't be able to do. Mais regardez à Jésus. But look away to Jesus. Comme on m'a dit. We are the devil under our feet. Nous avons les démons sous nos pieds. Because he is under the feet of our master. Parce qu'il est sous les pieds de notre maître. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe? Le diable, il est sous les pieds de notre maître. The devil is under the feet of our master. Il est sous les pieds de notre Dieu, frère. The feet of our God, frère. Il n'y a aucune maladie, frère. No sickness, frère. Il n'y a aucun démon, no demon, qui peut résister à la prière d'un juste. That can resist the prayer. Est-ce que vous croyez à ça ce soir? Do you believe it tonight? Alors on va se lever tout le monde.